Ce matin, on va retourner à notre série sur notre confession de foi, la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689. Ça fait un petit bout qu'on n'y a pas tourné. On était la dernière fois, on était dans la création, dans le chapitre 4. On avait vu différents thèmes de la création, comment Dieu a créé, hein, ex nihilo pour ceux qui se rappellent de leur latin. Cette semaine, on va commencer dans le chapitre 5 qui nous parle non pas du décret, mais de la suite logique du décret, c'est-à-dire de la providence de Dieu. Quand on dit que Dieu pourvoit, qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour un chrétien? Qu'est-ce que c'est exactement la providence de Dieu? Bien, on pourrait résumer la providence ainsi, si on devait lui donner une définition biblique. La providence, c'est la mise en application dans l'histoire de ce que Dieu a décrété dans l'éternité. Dieu met en application de façon pratique dans l'histoire ce qu'il a décrété de toute éternité. Hein? Comme ça simplifie pas vraiment la chose, mais ça va nous permettre de d'éplucher un peu la définition au cours de la prédication. Le chapitre 5, dans son ensemble, est composé de sept articles, de sept paragraphes, qui exposent cette doctrine de la providence sous divers angles. Beaucoup de sujets dans les sept paragraphes sont des doctrines que l'on a déjà étudiées dans nos études du passé dans la 1689. Donc, je ne reviendrai pas précisément sur chaque mot qui est employé. D'un, on aurait très long à étudier, mais aussi, il y a beaucoup de ces concepts-là qu'on a déjà vus ensemble. On a déjà vu qu'est-ce que l'infinité de Dieu, qu'est-ce que c'est l'éternité de Dieu, etc. Donc, je ne veux pas revenir nécessairement sur ces principes. Pour éviter, évidemment, la répétition, puis pour limiter notre observation de la providence de Dieu à quelques points. Donc, avant d'aller plus loin, prions ensemble ce matin. Merci, notre Dieu, pour ce temps que tu pourvois, Seigneur, pour ton peuple de s'assembler en ce jour qui t'appartient. Nous te louons, Seigneur, de pouvoir être ici assemblés à Actonville pour te louer, pour t'adorer, te glorifier. Toi qui es le seul vrai Dieu. Toi qui es le créateur de cet univers, de cette terre, de nous, de nos âmes. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que toute chose repose entre tes mains. Nous voulons te louer, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons, malgré les circonstances, Seigneur, d'entendre ta parole et de continuer à faire un culte, Seigneur, qui t'honore et qui te loue. Sois adoré, notre Dieu. Et que, Seigneur, ces quelques paroles qu'on entendra ce matin puissent être à ta louange. Amen. Aujourd'hui, on va regarder aux trois premiers articles. Ça peut sembler quand même beaucoup, mais bon, ils se prennent bien dans un ensemble de pensées. On va regarder à ces trois premiers articles pour répondre à une question en particulier. Qu'est-ce que la providence de Dieu? Hein, question qui est simple. La question en tant que telle est simple. La réponse, pas si simple. Mais les trois premiers paragraphes se résument par cinq points essentiels qu'on va voir plus loin. Oh, ça c'est un champ. Pas ce que je voulais. On va y arriver. Et voilà. Vous permettre de suivre avec moi, puisqu'on a quand même trois articles à lire. L'article 1 se lit ainsi. Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage sainte providence, aux fins pour lesquelles elle a été créée. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse,
de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. L'article 2 nous dit, par rapport à la préscience et au décret de Dieu, la cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou est en dehors de sa providence. Par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou de façon contingente. Et on va revenir sur certains des concepts qu'on voit là. Paniquez pas. On va les prendre un par un. Et le troisième article. Dans sa providence, Dieu normalement se sert de moyens. Il est cependant libre d'agir dans ses moyens, par-dessus ses moyens ou contre eux, si tel est son désir. Plaisir. Merci. Donc, comme mentionné en introduction, la providence divine, c'est en fait la réalisation de l'histoire de ce que Dieu a décrété dans l'éternité. C'est la mise en place de ce que Dieu a décidé. Autrement dit, le décret, c'est le plan de Dieu, c'est sa volonté. Et la providence, c'est la mise en place de cette volonté-là. Hein, la suite logique ou pratique, tangible du décret de Dieu. Dieu est loin d'être un être absent de l'histoire, comme certains pourraient le prétendre. Dieu ne laisse pas tout simplement l'homme aller selon son bon plaisir et faire ce qu'il veut. Et certains croyants même ont cette vision d'un théisme ouvert qu'on appelle, où est-ce que Dieu va juste réagir aux choses qui arrivent et qu'il n'y a pas nécessairement de plan. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il trouve ça dans la parole de Dieu, mais bon. La parole, au contraire, nous dit que Dieu dirige selon sa providence et qu'il est même en tout temps présent partout, hein, ce qu'on appelle souvent l'omniprésence de Dieu. Et on observe dans ces trois premiers articles qu'on vient de lire qu'il existe certaines facettes qui sont essentielles à la compréhension de la providence de Dieu. Il y a cinq éléments qu'on va observer ce matin pour créer une espèce d'ensemble de compréhension par rapport à la doctrine biblique de la providence de Dieu. Cinq points. La providence s'opère de manière efficace, universelle, harmonieuse, incompréhensible et bonne. Efficace, universelle, harmonieuse, incompréhensible et bonne. La première qui nous est décrite dans ces articles de la Confession nous parle de l'efficacité de la providence de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi je commence avec l'efficacité. C'est relativement important que la providence de Dieu soit efficace. C'est nécessaire même d'affirmer la pleine capacité de Dieu à pourvoir. L'Écriture déclare dans le psaume 115, verset 3, que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça englobe quand même pas mal tout. Il fait pas mal ce qu'il veut, selon sa nature, évidemment. Ses plans, malgré l'opposition qu'il a de la créature, hein, ne sont jamais frustrés, ne sont jamais contraints. C'est quand même encourageant dans un sens pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui de se rappeler que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'y a jamais une situation dans laquelle Dieu arrive et dit « Oh, je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça ». Ça c'est nous, c'est parfois nous ça nous arrive. Dieu ça ne lui arrive pas. L'Éternel déclare lui-même dans Ésaïe 43, versets 12 et 13 « C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ?» Hein, Dieu va agir, qui va s'y opposer? Les projets de l'homme peuvent être anéantis. La preuve, c'est qu'on fait souvent des projets humains dans nos vies. Hein? Puis bon, certains réussissent par la providence de Dieu, certains ne réussissent pas par la même providence de Dieu. Mais ceux de Dieu, les plans de Dieu sont inchangeables.
Hein? La parole nous le décrit ainsi, mais notre confession met le mot immuable. On a déjà vu c'était quoi, si vous voulez vous rappeler, allez voir dans les prédications qui sont par rapport au caractère de Dieu, hein, l'immuabilité de Dieu, l'idée que Dieu ne change pas. Les plans de Dieu sont comme Dieu, ils ne changent pas, ils sont immuables. L'acte providentiel de Dieu par lequel le premier article nous dit qu'il soutient, dirige, dispose et gouverne de façon efficace. Et une chance, sinon je ne sais pas à quoi ça servirait qu'il fasse toutes ces choses-là si ça ne serait pas efficace. Dieu fait ces choses efficacement, c'est-à-dire qu'il arrive. Ce que Dieu planifie arrive. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul déclare dans Romains 9, verset 28, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Ce que Dieu a décidé, il va l'exécuter. De quelle façon? Promptement, pleinement. C'est aussi la raison pour laquelle on peut se fier sur les promesses qui nous sont faites dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut se fier à la promesse de Dieu? Parce que Dieu ne change pas et que sa providence est efficace. Ce qu'il a promis, il s'organise pour que ce soit efficace. Donc, celui qui le cherche, celui qui cogne à la porte, est-ce qu'il va avoir quelqu'un qui lui répond? Oui, parce que Dieu a promis que ceux qui le cherchent trouveraient. Il y a plein de promesses comme ça qui nous sont données. Il y a aussi des choses que les gens pensent qui sont des promesses qui ne le sont pas. C'est un autre thème complètement, mais les promesses qui sont claires nous sont données et sont efficaces. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, nous dit la parole, et pour changer d'idée. Ce qu'il promet, il l'exécute. Donc, ce premier point est crucial à notre compréhension de la providence divine. Le fait que Dieu pourvoit efficacement. Le deuxième point que l'on doit voir pour comprendre la providence de Dieu, c'est l'universalité. Hein? Maintenant qu'on a affirmé la pleine efficacité de la providence divine, il faut nécessairement considérer l'étendue de cette providence-là. En anglais, on appelle ça souvent le scope, l'étendue de ce qui est affecté, l'étendue de ce qui est contrôlé par Dieu, par la providence. Bien, la confession de foi, encore dans l'article 1, nous affirme une universalité de providence. Dieu soutient, dirige, dispose et gouverne. Qu'est-ce qu'il fait? Sur quoi? Sur toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites. Rien n'est trop grand pour Dieu, et rien n'est trop insignifiant pour lui. Rien n'est trop petit pour être en dehors des soins. C'est réconfortant pour nous, les petits chrétiens normaux, hein, quand on regarde aux grands hommes comme Spurgeon, comme ces hommes qui ont une influence, on aurait peut-être tendance à se dire, ben, qui suis-je, Seigneur, pour que tu regardes ma face? Quand tu as parlé avec Moïse, Paul, Abraham, Isaac, Jacob, hein? Moi, Michael, je suis pas grand-chose. Eh bien, nul n'est trop petit pour que Dieu s'occupe de eux. Nul ne sont trop grands ou trop petits pour la providence de Dieu. On peut donc dire avec certitude qu'une sorte de hasard absolu n'existe pas. Bien sûr, si on était pour tirer à la courte paille, sur trois personnes, il y en aurait deux qui perdraient. Hein, il y en aurait un qui gagnerait. Si on était pour tirer, mettons, les tâches ménagères ou je sais pas quoi, il y aurait un jeu de probabilité qui serait fait. Hein? On aurait l'impression qu'il y a un hasard. Et il y en a un, de façon temporelle, il y a un hasard. C'est ce qu'on appelle les causes secondes, c'est ce qu'on va voir tantôt. Mais de façon absolue, c'est décrété par Dieu. C'est voulu de Dieu. L'homme vit un hasard de façon temporelle, mais ce hasard est orchestré.
C'est un peu contradictoire quand on essaye d'y penser trop longtemps, mais faut l'accepter dans un certain sens. Ultimement, en tant que chrétien, nous savons que même ce hasard perçu ou qui est réellement vécu dans un sens temporel n'est pas absolu, parce qu'il y a une cause première. Cette probabilité de la cause première tombe entre les mains de Dieu. L'Écriture affirme que le Fils soutient toute chose par sa parole puissante dans Hébreux 1, verset 3. Elle déclare qu'il est le principe universel qui soutient toute chose puisque tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, verset 16 et 17. Le principe de l'universalité et de sa providence implique qu'il soutient à la fois passivement et activement tout ce qui existe. Vous pouvez vous dire, ben c'est quoi ça, soutien passif, actif? Bon, ça sonne plus comme des termes de finance que d'autres choses. C'est peut-être mon background qui me dit ça. Mais il opère passivement dans le sens où il soutient la terre. C'est un acte passif. Dieu a créé des lois naturelles qui gouvernent le monde et qui s'assurent que quand je saute, je retombe. Il y a de la gravité. Ça, c'est une loi naturelle que Dieu a créée qui va être bonne jusqu'à la destruction de la terre. La nouvelle Jérusalem, je ne sais pas si elle va avoir de la gravité, j'imagine. Je ne sais pas si ça va être la même. Mais tout de moins, Dieu a créé des lois naturelles qui font que passivement, il opère une sorte de providence sur toute l'humanité. Mais il n'y a pas seulement cette forme passive de providence que l'on voit dans les Écritures. Il opère aussi de façon active dans nos vies à travers tout ce qui existe. Ce que l'Écriture affirme dans Éphésiens 1, verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Acte 17, 28, 17, 28. L'étendue de sa providence s'étend autant dans les choses passives que dans les actions directes que Dieu peut poser dans nos vies. L'étendue de sa providence est éternelle. Elle se voit partout, en tout temps, dans toute l'histoire de l'humanité. Ça prend juste des yeux pour la voir. Évidemment, les yeux de notre chère pécheresse naturelle ne voient pas ces œuvres de Dieu. Hein, souvent, dans notre façon orgueilleuse et hautaine, on va les attribuer à l'homme, la gloire qui devrait revenir à Dieu. Mais vous savez, l'universalité de la providence nous permet aussi de dire avec certitude que tout ce qui arrive dans le monde est orchestré et voulu de Dieu selon le décret. Et ça, ça inclut pas juste quand ça va bien. Ça inclut aussi quand ça va mal. Dieu ne pourvoit pas simplement quand ça va bien. Dieu pourvoit aussi quand il y a des épreuves à surmonter. Ça pourrait être tentant d'être découragé, mais c'est plutôt une raison de réjouissance, d'encouragement. Prenons seulement l'exemple de ce que nous vivons actuellement avec la COVID-mania. Mon petit nom affectif. Vous savez, la providence de Dieu ne justifie pas nécessairement les hommes, leurs politiques ou leurs actions, mais elle nous permet de reconnaître que c'est Dieu qui laisse aller ces formes de ce que personnellement je décrirais comme une tyrannie et que Dieu le permet. Mais notre espoir, ultimement, est en Dieu. Si l'année 2020 m'aura appris une seule chose, ça aura servi à tuer toute forme d'espoir que je pouvais entretenir en l'homme, ou en la politique, ou en la raison humaine. Ça l'a absolument anéanti. Toute naïveté,
à cet égard. Dieu m'a rappelé que l'homme est totalement corrompu. Pas juste un peu. Il est totalement corrompu, il est totalement dépravé, il est totalement sans intelligence. Il n'y a rien qu'on peut faire pour rescaper un mort. C'est mort. La Bible décrit l'homme comme étant imbu de lui-même, avare de pouvoir, avare de contrôle, cherchant la gloire des hommes, prompt au mensonge, prompt à l'auto-justification, meurtrier dans son cœur, adultère, irreligieux, ennemi des gens du bien. Et j'en pense. Nos dirigeants politiques, comme n'importe quelle autre personne qui n'est pas régénérée, n'est pas immunisée au péché de l'humanité. Ils sont tels que la parole les décrit. Je trouve ça toujours un peu ironique comment les gens vont utiliser un texte comme 1 Timothée 2 et le citer un peu à toutes les sauces. La plupart des chrétiens, si j'étais pour leur demander qu'est-ce que veut dire 1 Timothée 2, quand il parle des autorités au verset 1 à 4, la plupart des chrétiens croient qu'ils doivent prier pour la direction et la sagesse de leurs autorités. C'est souvent ce qu'on va entendre. Et bien que je sois conscient que ce soit pas nécessairement mal, je trouve que c'est une prière qui est vide. C'est vide de sens. Et ce n'est pas ce que le texte nous demande. Je vois mal comment des hommes qui sont morts et pleinement corrompus dans leur péché pourraient être sages. 1 Timothée 2, versets 1 à 4, nous dit ceci. Voici ce que le texte dit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit prier pour eux? Ça nous est dit. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pourquoi est-ce qu'on prie pour ces gens-là? On prie pas nécessairement pour leur sagesse. Ils sont inconvertis. On prie pour qu'ils nous laissent tranquilles, littéralement, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Le deuxième point, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a deux raisons que Paul donne à Timothée de prier pour les autorités. Pour qu'ils nous lâchent tranquilles, puis pour qu'ils soient sauvés. S'ils sont sauvés, qu'ils deviennent chrétiens, ils vont évidemment se ranger du côté des chrétiens. Mais sinon, pourquoi est-ce que Paul dit ça à Timothée? Mais parce que Paul comprenait la nature humaine. Il comprenait la déchéance de la nature humaine. Et quand des gens sont mis en des positions de pouvoir, ils vont faire selon leur nature, pécheresse, corrompue. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit prier pour nos autorités? Parce qu'ils ont une tendance à vouloir persécuter et faire du mal à l'Église de Christ à cause de ce qu'ils sont. Et Paul en était conscient. Paul en a vécu les répercussions dans sa propre vie. Il a été en prison, a été châtié, a été lapidé. Dans son cas, c'était à la fois les leaders religieux qui avaient une influence à son au moment où est-ce qu'il vivait, mais aussi Ponce Pilate, l'Empire romain, il a vécu des persécutions sous toutes les formes de leaders qu'il y a eu. Donc oui, on doit prier pour nos autorités, mais la raison qu'on prie pour nos autorités, c'est pour qu'ils nous laissent la liberté de faire ce qu'on doit faire en tant que chrétien, de vivre des vies paisibles, de louer Dieu et d'adorer comme on le devrait. Donc contrairement à comment les chrétiens modernes utilisent ce texte, Paul semble au contraire sous-entendre qu'on a besoin de prier premièrement pour le salut de nos gouvernements civils, de nos leaders, mais que sinon, naturellement, ils seront enclins à persécuter les chrétiens, à nuire à l'Église, à vouloir prendre la place de Dieu même, parce que c'est ce que naturellement l'homme cherche à faire depuis le jardin. De là la raison où Paul exhorte Timothée à prier pour les autorités. Pour les rois, pour toute forme de personne qui dirige et qui n'est pas nécessairement chrétien. Parce qu'il connaît la nature du cœur humain. Mais il n'y a aucun espoir pour ceux qui dirigent un pays si leur intelligence n'est pas renouvelée du Saint-Esprit.
Je me rappelle pas si c'était avec Georges ou avec Sylvain que je parlais de ça la semaine passée. Vous savez, l'insanité politique et culturelle qu'on voit présentement dans notre pays est un résultat direct du fait qu'on a éjecté Dieu de notre pays. Il n'y a aucune société, il n'y a aucune culture qui peut fonctionner adéquatement sans une moralité absolue. Et cette moralité-là, elle n'est que basée sur la parole de Dieu. Sinon, elle devient relative à tous et chacun. Et bon, le meurtrier en Syrie a probablement pas les mêmes valeurs humaines que le voisin d'à côté, puis l'autre voisin d'à côté, puis là, tout le monde fait sa petite morale, puis on devient dans un pays, comme aujourd'hui on l'est, dans le postmodernisme où la moralité est juste un concept culturel qu'on s'invente. Puis on change ça, on s'adapte. On vit dans l'immoralité, selon les standards. Eux te répondraient que non, mais selon les standards de Dieu, oui, effectivement. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quel est notre standard, sur quoi on se base pour dire quelque chose est moral ou immoral. Mais bon, je reviens à mes moutons. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la providence de Dieu existe. Dieu saura faire justice à qui il doit faire justice. C'est à lui de s'occuper de ses hommes. Évidemment, leur action nous affecte, c'est inévitable. Mais nous sommes réconfortés ce matin d'apprendre que en rien, cela tombe en dehors du contrôle de Dieu. Cela ne les justifie pas de faire ce qu'ils font. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas à dénoncer, à proclamer la vérité. Mais c'est la raison pour laquelle les Écritures nous disent qu'on n'a pas à chercher à se venger soi-même ou à prendre les choses en nos propres mains et renverser les rois et les nations et à faire des révolutions politiques. C'est pas notre appel. Dieu est souverain et va s'occuper de ses hommes. Tout ce qu'il nous demande, nous, c'est de faire ce que nous, on devrait faire. Ce qui, des fois, peut coûter quelque chose, en passant. Mais la providence n'efface pas la responsabilité humaine. Mais elle est comme un baume sur le cœur des croyants. Hein? Elle nous réconforte, sachant qu'on peut se réfugier dans les tendres mains du Père céleste, qui est en contrôle de toutes choses et que rien ne lui échappe. Sa providence est universelle, elle s'étend sur tout, dans toute situation, et rien n'est en dehors de son contrôle. Ce qui nous amène au troisième point, l'harmonie de la providence. Il faut ajouter l'harmonie de la providence avec la liberté des causes secondes. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cause première, cause seconde. On avait vu déjà un peu ces concepts. C'est un peu philosophique, mais vous vous rappellerez qu'en parlant du décret de Dieu, de la volonté de Dieu, on a défini que la cause première, quelles étaient les causes premières, la cause première et les causes secondes. La cause première, c'est facile, c'est tout le temps la même personne, c'est Dieu. C'est Dieu et sa volonté. Dieu est la cause première de toute chose. Les causes secondes sont les résultats de nos actions et des circonstances qui nous environnent. Un piège commun en parlant de la providence divine, c'est de concevoir la providence de Dieu comme une espèce de fatalisme tyrannique qui rendrait l'homme... Qui donnerait à l'homme une sorte de liberté illusoire là, dans laquelle il est un robot qui fait tout ce que Dieu veut. Comme si on était préprogrammé et que tout était choisi d'avance et qu'on n'avait aucune liberté puis que dans le fond, on faisait juste vivre selon la programmation du technicien. L'article 2 exprime bien l'harmonie qui existe entre le contrôle du Créateur et la liberté de la créature. Ou de la création. On y trouve une importante distinction qui est faite entre la cause première qui est infaillible, évidemment, parce que c'est Dieu lui-même, son décret, et la réalité effective des causes secondes. Et voici comment elles sont décrites. On y lit « Par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit, et là, il liste trois façons
que ces choses peuvent arriver nécessairement. Donc, des causes secondes nécessaires, c'est quoi? Ben, c'est les lois naturelles, la gravité, les saisons. C'est des choses qui sont naturelles et qui sont nécessaires. Des causes secondes. Librement. Qu'est-ce que sont des causes secondes libres? Ben, la volonté de la créature. Et troisièmement, de façon contingente. La contingence, c'est une façon fancy de dire les probabilités. Le hasard, les accidents, la probabilité. Donc, ce sont trois façons, trois types de causes secondes que Dieu ordonne de se produire selon la nature de ceux-ci. Autrement dit, Dieu, dans sa volonté, est la cause première. Dans sa volonté, il détermine ce qui doit arriver. Et rien ne sort de cette volonté. Mais dans sa providence, il fait arriver ces choses-là par des moyens, par des causes secondes qui sont réelles, que l'on vit, qui sont tangibles. Dieu décrète toutes choses, mais souverainement, sa volonté est mise en pratique par le biais des causes secondes qui représentent nos choix, notre liberté en tant qu'être humain, le hasard, les probabilités. Et Dieu se sert de toutes ces causes secondes-là pour faire que sa volonté arrive. Alors, on n'est pas comme des robots. On a des choix qui sont réels. On a une liberté qui a une réelle conséquence. Si on choisit de commettre un meurtre, on pêche, on est coupable de ce péché et on va aller en prison. C'est une cause seconde. Est-ce que c'était en dehors du décret de Dieu universel? Non. Mais on a quand même fait le choix et on est quand même responsable. La providence n'annule jamais la responsabilité de l'homme dans les Écritures. Tout comme elle n'annule pas les lois naturelles de la terre, ni la contingence. Si on tire à la courte paille, je veux dire, c'est un jeu de probabilité, là. Que Dieu soit souverain sur toute chose. Oui, il le sait qui va pogner la courte paille. Mais il y a quand même une probabilité qui existe. Il y a quand même quelqu'un qui va tirer la courte paille dans la vraie vie. Donc, le hasard, la contingence, est réel. Il n'est pas juste une illusion, mais c'est à travers de ces choses que Dieu opère, que Dieu orchestre sa volonté et que tout est disposé selon sa volonté. Sans la providence de Dieu, il ne pourrait pas y avoir ni vraie liberté, ni vraie responsabilité de l'homme. Le paragraphe 3 précise un peu plus pointilleusement cette harmonie en indiquant que la providence de Dieu, bien qu'elle puisse arriver miraculeusement, sans moyens, passe normalement par des moyens qui sont ordinaires, par nos choix du quotidien. Oui, Dieu peut faire des miracles, évidemment, puis parfois il en fait. Mais de façon générale, le décret de Dieu, la volonté s'orchestre à travers nos choix de tous les jours. Des moyens qui sont dits ordinaires. Et c'est à cause de ça qu'on peut dire que c'est vraiment Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais il le fait à travers la responsabilité humaine. Il n'y a aucune contradiction dans le fait de demander à Dieu notre nourriture quotidienne tout en travaillant pour se nourrir. Il n'y a aucune contradiction dans le fait de prier pour une guérison tout en allant chez le médecin et prenant les moyens ordinaires pour se soigner. Dieu opère à travers les moyens ordinaires. C'est exactement parce que Dieu est souverain, justement, que l'on prie et qu'on s'attend à lui. Autrement, on serait pleinement laissé à nous-mêmes. N'empêche qu'il est nécessaire de comprendre que on n'est pas des robots. Dieu nous a laissé créer avec une liberté, avec une intelligence. Non seulement on n'est pas des robots, mais même juste nous dans la salle, on n'est pas tous pareils.
Dieu nous a créés différents, distincts, les uns des autres, avec différentes façons de penser, de fonctionner, différentes émotions. On est très complexes, les êtres humains. Donc, on est loin d'être des robots. Un exemple de ce fatalisme dont je parlais en début, un exemple de ce fatalisme qu'il faut éviter, est mis en évidence actuellement. J'ai entendu des chrétiens me dire qu'on ne doit pas s'occuper de la situation présente, on doit juste laisser les choses aller sous prétexte que Dieu pourvoit puis que Dieu est souverain. Évidemment, c'est une vérité absolue que Dieu est souverain. C'est ce qu'on appelle en français un truisme. C'est quelque chose qui est vrai, peu importe ce qui arrive. C'est une évidence en soi que Dieu est souverain. C'est pas un argument à être utilisé pour une sorte de fatalisme en tant que chrétien. Ou est-ce qu'on s'assit puis qu'on fait rien puis on dit « Ah, le bateau s'en va. » Hors de tout doute, Dieu est souverain. Mais ça n'efface en rien la responsabilité de l'être humain que le chrétien doit obéir à Dieu, user de discernement, user de courage, faire des choix, être vigilant, obéir à la volonté de Dieu, pratiquer les bonnes œuvres, faire des choix conséquents, etc. Toutes les responsabilités humaines ne sont pas annulées par le fait que Dieu pourvoit et que Dieu est souverain. L'Écriture présente d'un bout à l'autre cette parfaite harmonie entre la providence divine et la responsabilité humaine, qu'on pourrait appeler les causes secondes. L'histoire de Joseph en est un bon exemple. Elle affirme à la fois la culpabilité des frères de Joseph, mais à la fois la providence de Dieu à travers eux. Dans Genèse 45, verset 5, on lit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Est-ce que les frères de Joseph avaient fait une bonne chose, dans le fond? Non, il était coupable, il avait péché. Mais Dieu est souverain et a orchestré même le péché de ses frères pour mener à leur salut. À la fin du récit, l'Écriture nous permet de comprendre que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, à la louange de sa gloire. Dans le verset 20, si vous voulez avoir une référence. Genèse 50, 20. L'harmonie de la providence avec le cours naturel de la vie fait en sorte que la responsabilité humaine existe réellement et qu'on ne doit pas la prendre à la légère. On ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers en disant « j'ai rien à faire, Dieu conduit le bateau, puis je fais juste attendre ». Ça, c'est ce qu'on appelle le fatalisme. Ainsi, Pierre prêcha à la Pentecôte que Jésus fut mis à mort selon la volonté de Dieu, tout en appelant les hommes à la repentance devant cette mort. Acte 2, verset 23 et verset 38 nous dit « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc, conséquemment, ils sont coupables, hein? Verset 38, il leur dit « Repentez-vous. » Il y a une harmonie parfaite entre la volonté de Dieu et comment celle-ci prend forme dans nos vies quotidiennes. Et de bien comprendre cette harmonie en tant que chrétien nous aide à non pas être fataliste dans notre vie chrétienne, mais à être actif, sachant que Dieu pourvoit, sachant que Dieu dirige. Le quatrième point, l'avant-dernier, restez avec moi, l'incompréhensibilité. Comme dans plusieurs doctrines qui a trait au caractère de Dieu, on doit reconnaître évidemment qu'il y a un aspect incompréhensible à la raison humaine quand on parle de la providence de Dieu. On peut l'expliquer selon ce qu'on voit dans la parole, mais entre l'expliquer et la comprendre, il y a quand même un gouffre assez gigantesque. Toute cette doctrine repose en fait, sur la transcendance de Dieu. Hein? Pourquoi Dieu est on peut se fier à sa providence ainsi qu'elle est décrite dans la parole? Parce que Dieu transcende la raison. C'est-à-dire que Dieu dépasse notre intelligence et notre raison.
On doit faire comme Job, reconnaître que nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait, ni comment il le fait. On doit s'en remettre à lui par la foi. Dans Job 42, on lit, excusez, dans Romains 11, 33, on lit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Pour croire à la fois dans le décret divin de Dieu, en sa volonté et en sa providence, on n'a pas d'autre choix que d'admettre qu'il y a une question, c'est un sujet qui dépasse notre intelligence, notre raison humaine. Ce n'est pas nécessairement rationnel pour l'homme, puisque c'est divin, c'est orchestré par Dieu. Mais ce que l'homme ne comprend pas de Dieu ne veut pas dire que c'est nécessairement irrationnel. C'est pas parce que l'homme le comprend pas que c'est irrationnel. On pourrait dire que c'est supra-rationnel. C'est au-delà de la raison humaine. C'est au-delà de la capacité de l'homme à comprendre. Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai, parce que Dieu nous le dit. Ceux qui rejettent l'absolue souveraineté de Dieu pour préserver la responsabilité de l'homme le font généralement parce qu'ils omettent l'incompréhensibilité de la providence. Hein? Il y a des gens qui vont vouloir préserver la responsabilité humaine, puis ils vont dire, si l'homme est responsable, Dieu ne peut pas être absolument souverain. Donc, ils vont flusher la souveraineté de Dieu pour préserver la responsabilité humaine. Mais en affirmant l'incompréhensibilité, en reconnaissant que Dieu est au-delà de notre capacité de comprendre, on peut maintenir simultanément le contrôle du Créateur et la liberté de la créature. On n'est pas capable nécessairement de l'expliquer et de la comprendre, mais on peut l'accepter comme quelque chose qui nous est enseigné. Et le cinquième point, le dernier, non pas le moindre, c'est que finalement, on doit impérativement, déclarer l'absolue bonté de la providence de Dieu. Dans 1 Jean 1, verset 5, on y lit « Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres ». La confession de foi nous rappelle que tout existe et tout est gouverné par Dieu, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. À travers l'histoire, l'homme s'est plu à développer toutes sortes d'idéologies qui le mettaient en compétition avec Dieu. Hein, je ne sais pas pourquoi on aime ça, se mettre en compétition avec Dieu. C'est drôle parce qu'on perd tout le temps, mais... C'est dans la nature humaine. Et certains de ces hommes ont cru que peut-être s'il y avait la même puissance, la même influence que Dieu sur les êtres humains, ils pourraient faire mieux que Dieu. C'est une des raisons que le système communiste de Karl Marx a été un absolu échec partout où est-ce que ça a été tenté dans l'histoire de l'humanité. Et c'est principalement dû au fait que cette idéologie-là met de l'avant une conception de l'homme qui est erronée, premièrement, qui prend pour acquis que l'homme est bon, mais aussi qui efface complètement Dieu de l'équation. Dieu n'existe pas, l'homme est laissé à lui-même, et il y a juste des structures de pouvoir. Qui décide pour qui? Conséquemment, les pays communistes sont systématiquement rongés par la violence, les abus, la persécution. Et j'oserais ajouter la persécution typiquement de toute forme de foi. Hein, les chrétiens, puis pas juste les chrétiens, mais toute forme de foi est persécutée dans un tel système. C'est une idéologie qui rejette Dieu comme étant le créateur et qui rejette la providence d'un Dieu qui a créé la terre. Marx était un de ces hommes qui aurait bien aimé prendre la place de Dieu. Vous savez, c'est pas par ignorance que les chrétiens se sont historiquement opposés radicalement à cette forme de gouvernance. Et c'est un exemple parmi tant d'autres idéologies que j'aurais pu nommer, là. Il y en a une éventail assez coloré de nos jours d'idéologies qui sont contre le christianisme. Malheureusement, c'est exactement là où le Canada se dirige probablement, mais bon.
raison de plus d'être vigilant, en restant confiant que la souveraineté de Dieu est bonne et que rien ne lui échappe. Bien que nous ne voyons pas encore comment il fait pour concourir toutes ces choses que nous pouvons vivre présentement à sa gloire, peut-être que pour nous, dans notre intelligence limitée, c'est dur de regarder les événements présents, pas juste dans notre pays, mais partout dans le monde, à peu près, dans beaucoup de places dans le monde, je ne devrais pas dire partout, là, parce que c'est pas vrai, mais à beaucoup d'endroits dans le monde, et de voir ce qui se passe, et de dire, oh mon Dieu, comment est-ce que Dieu va faire pour se glorifier au travers de ça? Ben, j'ai pas à le comprendre, mais je le crois. Dieu va se glorifier à travers ça. D'une façon ou d'une autre, la souveraineté de Dieu est bonne, et rien ne va lui échapper. Nous devons croire que sa providence est parfaite en toute chose, en toute situation qu'on peut vivre. Autant dans les bons moments que dans les mauvais. Notre Dieu règne harmonieusement sur un monde en rébellion. Imaginez-vous ça. Dieu est tellement incroyable et parfait et infini et éternel qu'il est capable de garder le contrôle sur un monde totalement corrompu, éclaté et en rébellion. Ça prend des... Tu sais, c'est comme si t'avais un cheval fou raide en avant de toi qui capote, puis t'es quand même assis dessus, puis tu le diriges. Ça prend tout un cowboy. Imaginez-vous les taureaux là, qui se font aller puis dans les rodéos, puis les cowboys revolent. Imaginez-vous le pire taureau puis le meilleur cowboy. Exemple un peu bûcheux, un peu douteuse, mais bon. Vous voyez mon point. Que notre cœur, ce matin, puisse se reposer tranquillement en lui, comme étant le rocher, comme étant le refuge au milieu de tout ce qui semble imparfait dans notre monde présentement. Ça n'excuse pas les gens, ça n'excuse pas les fautes, les péchés, mais ça nous donne un baume sur le cœur. Ça nous rappelle que rien n'est hors du contrôle de Dieu, que nos choix personnels, que notre obéissance, que notre amour soit fondé dans l'espérance de sa providence. Telle est la paix qui est accordée aux chrétiens. Prions. Merci Seigneur pour ce rappel que tu ne nous as pas abandonnés, que tu es encore au contrôle, que toute chose subsiste par ta gloire, par ta présence, par ta parole. Toi qui as créé toute chose avec ta parole, tu continues de la soutenir, Seigneur, des milliers d'années après sa création. Tu es un Dieu élevé, un créateur incroyable. Et bien que notre raison est limitée et qu'on ne peut pas tout comprendre ce que l'on lit dans ta parole, nous voulons s'y accrocher, y croire. Et nous voulons, Seigneur, en ces temps un peu particuliers, se réfugier en toi. Non pas devenir fataliste, non pas devenir comme des gens d'aucune conviction, mais au contraire, Seigneur, de chercher le bien, de faire selon les préceptes de ta parole, d'obéir, sachant que, Seigneur, tu fais concourir toutes choses au bien de tes enfants, que tu es bon et que tu es un rocher dans lequel on peut se réfugier. Merci pour ta bonté et ta providence qui est sur nous à chaque moment. Amen.